ça nous ouvre des portes pour l'avenir, tout simplement. Bonjour, moi je m'appelle Soumeya. Bonjour, moi je m'appelle Yessine. Du coup, on fait partie du collectif Nos Jeunes Citoyens de l'association APPC. Du coup, moi j'ai rejoint l'association APPC et le collectif Jeunes Citoyens en 2020, dès le début, pour pouvoir me rapprocher de tout ce qui est citoyenneté, etc., pouvoir rencontrer tout ce qui est élu et pouvoir développer un réseau pour plus tard. J'ai rejoint l'APPC en 2020. J'ai rejoint pour faire des projets comme nettoyage de quartier, etc., rencontrer des élus, savoir c'est quoi la citoyenneté. Aujourd'hui, on a fait un nettoyage de quartier comme à chaque vacances. On a commencé par la fabrique, on est passé par Grand Sud pour aller rue Marquis et pour revenir du coup sur la fabrique. On rencontre des élus. Par exemple, on est allé aussi, on fait des voyages comme on est allé à Bruxelles pour le Parlement européen. On a visité l'Assemblée nationale. On a parlé de l'Union européenne. On a fait des nettoyages de quartier, des fêtes de quartier. Juste après la Eid, on a décidé de faire une fête. Il y aura des châteaux gonflables, etc. Ça sera pour réunir aussi les habitants de l'île sud parce que tous les ans ils ont l'habitude qu'on organise une fête de quartier. Des fois c'est avec les centres sociaux comme l'année dernière et il y a 2 ans si je ne me trompe pas c'était avec l'Arbre Chaud. Cette année on va le faire normalement si c'est accepté on va le faire sur la halle de glisse, donc le stade. On aura du coup tout ce qui est karting, ferme, bubble foot, etc. Bah moi je suis fière parce que je me dis que c'est pas tous les jeunes qui font ça et de faire ça à mon âge, on développe d'autres idéaux pour plus tard, donc être plus citoyenne et je suis contente de faire partie de ce projet.